Hello les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais unboxer avec vous la Goodie Box. Oui, j'ai reçu ma Goodie Box du mois de septembre, qu'on reçoit donc en fin de mois. Elle arrive dans ce packaging marronné, un petit peu bronze, avec des illustrations abstraites blanches sur le devant. Je la trouve plutôt jolie, ça change un petit peu des designs habituels et on retrouve ici le logo de la marque. Je vous montre ça tout de suite. Et si vous arrivez sur la chaîne, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker la vidéo. Je vais pas vous le dire à chaque fois. Si, si. Bref, on ouvre ça de suite. Donc, Goodie Box, c'est une box à laquelle je suis abonnée depuis pas si longtemps que ça, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est arrivée en France. Enfin, ça fait quelques mois maintenant. Normalement, nous avons que des full size dans cette box. Bah écoutez, je vous mets mon lien de parrainage. Vous pouvez bénéficier d'une box de bienvenue à moins 50%. Donc ça vous la fera à 9 euros et quelques au lieu des 19,95 €. En tout cas, c'est un format sous forme de tiroir rigide que j'aime beaucoup puisque c'est extrêmement pratique pour faire vos petits meubles et vos petits rangements. Je les utilise par ici. C'est tip top. Je prends mon téléphone parce que nous allons faire un unboxing digital, mesdames et messieurs. Allez, c'est parti pour l'unboxing digital de la Goodie Box du mois de septembre. Et nous sommes sur un thème, The Autumn Already Box. Donc, la box, déjà la box d'automne en résumé. On retrouve 5 à 7 produits format full size dans la plupart des cas. Des marques pas forcément connues en France. En tout cas, c'est assez lourd. Je vous dis le petit thème du mois. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, les saisons changent et vous aussi. L'automne est là et cela signifie que votre routine de soins de cheveux et de peau doit être adaptée en conséquence. Ici, à Goodie Box, nous sommes préparés pour cette saison, un peu comme le Père Noël et ses lutins se préparent pour Noël à l'usine de cadeaux, en rassemblant les produits qui, selon nous, prépareront votre routine à la sécheresse et au froid à venir. Nous n'avons qu'un mot à vous dire. Hydratation. Alors, je vois une marque que je connais et que j'aime beaucoup. Donc, je suis très contente. On est là pour démarrer sur un full size de la marque Algologie. C'est une marque que j'ai déjà reçue, je pense, avec Blissim. Et j'aime beaucoup ces produits qui sont des produits made in France, made in Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. C'est fait dans les laboratoires d'Armor. C'est vraiment des super produits très sensoriels. Donc, on est sur un full size de 50 ml et c'est un masque de nuit, donc dans la gamme Nuit des Vagues. C'est d'ailleurs une des gammes que j'adore chez eux, mais je n'avais jamais testé ce produit-là. J'ai beaucoup aimé le sérum l'autre fois. Et donc là, c'est le masque de nuit Hydra Ressourçant. 25 €. Ça y est, ma box est rentabilisée, donc très très bien. Ce masque unique désaltère et ressource la peau en apaisant tout au long de la nuit pour une peau souple, visiblement repulpée et infiniment douce au réveil. 87% de ses ingrédients sont d'origine naturelle et il a reçu un score élevé sur Yuka. Algologie s'attache à créer des produits durables et soutient la recherche sur la protection des écosystèmes marins tout en faisant appel à des fournisseurs d'actifs marins à côté de leur laboratoire pour un développement plus responsable. Vous pouvez vous sentir bien dans votre peau en appliquant une couche généreuse le soir sur votre visage, votre cou et votre décolleté. Tip top, le format est vraiment très très bien. C'est operculé, mais je pense que l'odeur et la texture sont juste incroyables. J'ai vraiment hâte de tester ce produit et c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Donc on démarre très très bien avec Goodie Box. Je passe au deuxième produit. Et alors là, c'est plus surprenant. C'est très rare de trouver ça dans les box. En tout cas, déjà, on est sur un format de 125 ml et c'est la marque Evoluderm. Donc c'est pareil, c'est une marque française. Ils nous ont fait une petite sélection made in France parce que c'est une box danoise. C'est pour ça que je fais cette petite remarque. Et donc c'est un gommage pianissant, exfolie et adoucie, donc au beurre de karité avec des particules de roche volcanique. Donc c'est pour les pieds secs et abîmés. Et on a, oui, comme je vous l'ai dit, 125 ml. Bon, je savais même pas que les gommages pour les pieds existaient. C'est un full size qui est au prix de 5,50 €. Retrouvez des pieds heureux avec le gommage pour pieds Evoluderm fabriqué en France. Il agit efficacement sur les pieds secs et abîmés. C'est pas mal parce qu'on a quand même à la fin de l'été les petits talons un peu secs. Les particules de roche volcanique associées au beurre de karité garantissent des pieds parfaitement exfoliés et doux. Utilisez-le sur des pieds
sec ou humide. Concentrez l'exfoliation sur les zones sèches et rincez à l'eau. Vous obtenez les meilleurs résultats en appliquant une bonne crème pour les pieds juste après, évidemment. En tout cas, le format est sympa, donc pourquoi pas. On peut s'occuper de ses pieds et c'est un deuxième full size. Le troisième produit qui est également un full size, et alors là, je connais pas du tout ce produit. Ça a l'air d'être la marque Mikura. Donc c'est une gelée rose comme ça. Alors ça s'appelle Jelly Soap Purifying Cleanser. C'est un full size qui a une valeur de 13 euros. Ah bah alors là, je suis contente parce que c'est un produit, c'est une marque de K-Beauty Mikura que je connais pas du tout. Vous savez que je suis une grande adepte des produits coréens et japonais pour le skincare. Et alors là, c'est la marque K-Beauty Mikura vient de Soulmate, de la peau de votre visage. Utilisez ce savon gelé pour éliminer les impuretés, hydrater, réduire les pores et réguler le sébum de votre peau. Il contient des ingrédients actifs non comédogènes et de la vitamine C pour donner de l'éclat à votre peau. Utilisez-le chaque matin et ou soir et rincez à l'eau. Mais écoutez, ce sera une découverte. Le format est encore hyper généreux. La texture gélifiée rose, c'est pas mal. Ça sent bon, ça sent le frais. Alors, c'est une marque de K-Beauty et en même temps, c'est marqué « Made in Spain ». Je suis un petit peu surprise. Donc, je ferai peut-être quelques recherches sur cette marque. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un produit comme ça dans la box. Et c'est donc le troisième full size. J'en arrive au quatrième produit. Ça a l'air d'être un produit make-up. C'est dans cette petite boîte noire en carton, ça s'appelle You Are Golden. C'est la marque Hueller Power Wear Bronzer. Donc c'est un bronzer, tout simplement. Bah, le packaging à l'intérieur est très, très simple. C'est prix de vente 26 euros pour 8 grammes. Et nous, on a 2,5 grammes d'une valeur de 19 euros. Ouais, ça me paraît cher quand même pour ce petit bronzer. Oui, c'est très très petit. Voilà comment ça se présente. Il y a un petit miroir avec. Ça a l'air plutôt classieux, mais la teinte a l'air irisée. Je sais pas si ça va m'aller. Donc reste naturel avec ce produit qui fonctionne à la fois comme une poudre bronzante et un highlighter. Donc c'est bien ça, c'est irisé. J'ai toujours du mal avec les produits double fonction, parce que un highlighter, pour moi, ça doit être hyper lumineux et pas foncé, mais bon. Il est officieusement certifié trop beau pour être vrai, avec sa capacité à fonctionner sur tous les types de peau. Bon, à tester. Tu peux l'utiliser sur ton maquillage ou sur peau nue, sur le visage et le corps. Nous ne disons pas que tu devrais, mais tu pourrais. Voilà donc pour le produit du mois make-up de la Goodie Box. Un petit bronzer. Et nous arrivons donc au cinquième et dernier produit, qui est une crème de la marque Ronsbol. Je ne sais pas si ça se prononce comme ceci. C'est un petit tube jaune comme ça. Et c'est la Day Cream SPF 15. Donc ça vient du Danemark. Et c'est encore un full size de 22,70€. Donc l'hiver approchant à grands pas, il est temps de prendre davantage soin de notre peau. La crème de jour SPF 15 de Ronsbol offre une protection solaire modérée, parfaite pour les mois plus froids où l'intensité des UV est moindre. Tandis que l'acide hyaluronique hydrate et calme la peau comme une crème de jour normale, la texture est légère et sera rapidement absorbée par la peau. Utilisez-le sur une peau nettoyée le matin comme dernière étape de votre routine de soins. Voilà les filles et les garçons. Je vous remonte la sélection Goodie Box du mois de septembre. Je suis plutôt contente. Je vous avoue que le masque de nuit Algology me plaît beaucoup. Bon, le nettoyant visage Mikura aussi. Le gommage pour les pieds, c'est pas mal. Vraiment, ça va être les produits que je préfère. Et après, la petite crème. Ah, elle est operculée, donc je ne vais pas l'ouvrir. Et c'est un 50 ml, cette petite crème visage. Donc voilà les 5 produits que nous avons. Je pense que nous avons tous la même sélection, que nous avons reçu pour le mois de septembre dans la Goodie Box. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous mets tous mes liens en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à dérouler si ça vous intéresse. J'étais très contente de passer ce petit moment avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo encore une fois. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye !